L'agneau noir, ouvrage de Marjorie Procter, édition Lampe d'Or, ouvrage de 1971. Un petit agneau noir gambade auprès de sa maman dans la prairie. Les autres agneaux sont blancs, mais cet agneau-ci est noir. Il aime beaucoup sa maman, il court et gambade autour d'elle. Pour s'amuser, il jette sa tête noire et bouclée contre l'épaisse laine blanche de sa mère. Il joue aussi avec les autres petits agneaux. Ils se poursuivent dans la prairie, sautillant par-ci, sautillant par-là. Ils s'amusent follement. Mais parfois, l'agneau noir s'ennuie dans le pré. Alors, il s'approche du vieux mur et regarde avec curiosité le champ voisin, par-dessus quelques pierres éboulées. Quel pré magnifique, pense-t-il. Il est plus joli que le mien. Les boutons d'or ont l'air plus gros et l'herbe plus grasse, plus verte. Bé, bé, ne va jamais dans ce pré, recommande sa mère. Tu pourrais te perdre. Un jour, il voit que des pierres du mur sont tombées et qu'il lui est maintenant facile de sauter dans l'autre prairie. Il pose alors ses sabots de devant sur le mur, rapproche ses pattes de derrière, prend son élan et hop, il atterrit dans la prairie qu'il avait si souvent admirée. Un peu perdu, il reste là, bien tranquille, l'oreille tendue pour écouter si sa maman l'appelle. Mais non, sa mère ne l'appelle pas. Elle bavarde tranquillement avec d'autres brebis sans se douter que son petit agneau noir est parti. Lorsqu'il est tout à fait sûr que personne n'a remarqué sa fuite, notre petit agnelet se met à courir dans le pré, broutant les jolis boutons d'or, les marguerites blanches et l'herbe verte. Chaque fois qu'il lève la tête, il aperçoit un peu plus loin une autre touffe de boutons d'or. Vite, il y court et la broute d'un coup de dent. Parfois, il saute et danse de joie, tant il est heureux d'être loin de chez lui. Ainsi, de prairie en prairie, il s'éloigne de plus en plus. Un instant, il lui semble entendre sa mère qui l'appelle. « Bé, bé !» Mais il fait comme s'il n'entendait rien et court plus loin pour n'avoir pas à répondre comme d'habitude. « Mais, mais !» Peu à peu, il sent la fatigue l'envahir et veut rentrer. Le soleil baisse à l'horizon. Il commence à faire froid. Et le petit agneau noir se rappelle la bonne laine chaude de sa maman. Il fait demi-tour et se met à courir. Mais où aller? Il ne sait plus très bien par où il est venu. Le chemin devient difficile et rocailleux. Les épines arrachent sa laine noire. Finalement, il tombe et se blesse profondément au genou. Il fait de plus en plus sombre. L'agneau pense à sa maman et l'appelle faiblement. Mais elle est loin, bien loin, elle ne peut l'entendre. Là-bas, comme tous les soirs, le berger rassemble et compte ses brebis et ses agneaux. « Où est donc mon petit agneau noir ?» demande-t-il. « Je ne le vois nulle part. »« Bé, bé, nous ne savons pas, » gémit la maman brebis. « Je crois qu'il s'est perdu, car il n'obéit pas toujours. » « Bé, bé !» La voix de maman brebis est toute triste. « Je vais aller le chercher, » dit le berger. « J'aime mon petit agneau noir. » Il se met en route, une lampe à la main, cherchant partout. Il appelle, appelle encore. Soudain, alors qu'il gravit péniblement une colline, il entend une frêle voix. « Mais !» C'est son petit agneau noir. « Comme je regrette de m'être enfui, » murmure le coupable. « Tu ne le feras plus jamais, n'est-ce pas ?» interroge le berger, qui, doucement, noue son grand mouchoir autour du genou blessé. « Oh non, plus jamais !» promet l'agneau noir. Tendrement, le berger le prend dans ses bras, tandis que l'agneau qui le regarde pense qu'il n'a jamais vu de visage plus doux
et plus aimable. Avez-vous deviné le nom du berger? Mais oui, c'est Jésus! Vous avez raison. Le berger, portant son agneau retrouvé, descend prudemment le chemin pierreux et bordé d'épines. Le petit agneau noir, tendrement blotti dans les bras du bon berger, n'a plus peur. Il se sait pardonné, aimé. Oh, comme sa maman est heureuse de le revoir! Cette histoire est tirée de Luc chapitre 15, versets 3 à 7, et de Jean chapitre 10, versets 11 à 16. Nous vous lisons donc intégralement Luc chapitre 15, versets 3 à 7. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il la retrouvait, il la met avec joie sur ses épaules et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, de cet album jeunesse, sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site entièrement consacré à la réédition numérique des ouvrages épuisés et non réédités. Nous vous invitons à vous rendre aussi bien sur la playlist de la chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, qui s'appelle Album jeunesse, que sur le site médiathèquechrétienne.fr afin de regarder tous les tomes et carottes que nous avons pu numériser et mis à la disposition de la jeunesse, mais aussi tous les tournesols que nous avons réédités numériquement. Nous vous disons au revoir et à bientôt. Ah, et un dernier mot encore, dans la playlist Album jeunesse, vous trouverez aussi 5 petits albums que nous avons filmés et lus d'Hélène Caswell. À savoir, Parabole du levain, Partageons l'amour de Dieu, Si petit dans un monde si grand, Parabole de la pièce de monnaie perdue, Et Dieu est toujours avec moi. Au revoir.